Salut Charles, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, comment ça se fait? Salut Elisa. C'est un petit peu normal, j'ai été malade pendant un petit moment à cause du Covid et du coup ça a traîné un petit peu. Ah mince, et ça va mieux? Tu penses revenir quand? Ça va un peu mieux, mais j'ai pas de date de retour, c'est un Covid long donc je suis encore en soins de suite et rééducation pour le moment. Ah d'accord, et tu t'ennuies pas trop? Tu trouves pas le temps trop long? Franchement ça va, bon après les collègues me manquent, passer du temps avec vous le midi et prendre des verres le soir après le boulot, ça me manque un peu quand même. Je m'étonne, on a hâte que tu reviennes aussi. Et financièrement, tu arrives à t'en sortir? Vu que c'est lié au Covid, t'as pas de perte de salaire? Financièrement, ça va. Les 3 premiers mois étaient pris en charge complètement, j'avais pas de perte de salaire. Après, j'ai eu quelques pertes sur les prix, mais vu que j'avais pris une prévoyance, j'ai quasiment rien senti. Donc franchement, financièrement, ça passe plutôt bien. Ah d'accord, et tu as des collègues qui travaillent dans ce domaine et qui t'ont renseigné pour le contrat de prévoyance? Du tout. C'est la responsable des ressources humaines de la mairie qui a organisé une réunion d'information tout simplement avec un courtier. Qui nous a expliqué comment fonctionnait la prévoyance et surtout, moi au départ, j'étais pas spécialement. Je me sentais pas concerné en fait et au final, j'ai quand même pris parce que la mairie prenait en charge une partie et puis je me suis dit que ça pouvait toujours être utile au cas où. Oui, t'as bien fait. Je me souviens de cette réunion, je n'étais pas allée parce que comme toi, j'avais pas trop envie de mettre 10 euros dans cette assurance, mais en y réfléchissant, je vois que dans son cas, c'est super utile donc je pense que je vais le faire. Ok. Je vais devoir te laisser, j'ai une séance de rééducation cet après-midi, mais si tu veux, dans la semaine, on peut se faire une soirée cinéma. Oui, avec plaisir. Bon courage pour ta séance, salut. Je te remercie, plus tard.